imagine les mille voyages qui nous attendent, les mille périples, les mille paysages, les mille publics. J'imagine, porté par la portée, par le tempo. Et c'est à cet endroit que passé et avenir se confondent dans nos esprits. C'est ici qu'on les mêle et les oublie dans la seconde fondamentale. C'est ici qu'on se décide enfin à oublier la mort, malgré la peur, à vivre en rythme, malgré le doute, malgré l'ennui, l'erreur. Ici, là où les soupirs sont utiles, la respiration souveraine. Oui, c'est ici qu'on prend le temps à bras-le-corps, au creux des notes, on se décide. Suivre la mélodie, être sincère comme la musique, spontané comme la cadence, sublimer le silence, le présent, par la musique, pour la musique, tout en mesure mais sans modération, pas toujours mais souvent, comme des points d'orgue souriants, pas pour toujours mais partout par contre, surtout là où ça n'est pas prévu, partout et pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, ou pour ceux qui en ont trop l'habitude, et pour les autres aussi. Pas pour la postérité, non, pour le plaisir d'être ensemble. Qu'on écoute, qu'on agisse, et nous ignorerons l'impossible.